Allez, allez, allez. Salut à tous. Ici Gotito. Prêt à reprendre du service sur Outer Wilds. Alors je sais pas respecter, j'ai pas réfléchi à ce que je vais faire. Je pense qu'on va aller sur Cravité. Aller explorer la forge là. La forge du trou noir. Au final j'y suis jamais allé. On va partir là-dessus. Je pense. Oh, le Paul McFly. Est-ce qu'on s'est remis de maladie par ici? Oh, je suis pas allé sur la lanterne. T'as-t-il connecté les fils? Voilà, on n'est pas parti sur une session connectage de fils. Enfin, pas sur une run connectage de fils en tout cas. On est parti sur une petite run. On va chercher les derniers... Les derniers trucs que je... Putain, j'ai fait n'importe quoi. Il me reste des trucs à explorer, notamment la forge du trou noir que j'ai pas exploré. Et en plus c'est vachement bien parce que c'est proche d'un petit test que j'ai à faire avec la navette. Alors est-ce qu'il y a des trucs à faire là-dessus? Ils me disent que je l'ai pas exploré dans le journal, j'ai vu. Ah oui, je dois faire un gros mea culpa, il y a un truc que je n'ai pas streamé sur Twitch. Oh oui, il y a des trucs là. Attends, mais si ça se trouve ça, au fur et à mesure de la run, elle perd en lave et on peut aller dessus. Ce sera à tester. Ce sera à tester. Et j'ai fait une petite partie de run hors Twitch pour la fin de Atrebois. Je tiens à le préciser. J'ai pas découvert des trucs de ouf. J'ai juste fini la mine, le site minier 2B qui était... Fini de lire les petits inputs, mais ça ne m'a pas donné. En tout cas, je n'ai pas été capable de retirer beaucoup d'informations de cette fin de run. Alors, moi, je vais aller. Est-ce que je prends le vaisseau ou pas? Question que je me pose. Comment on va au... Ok, c'est là-bas là. Oh, je le tente en vaisseau. Hein. Je suis un pilote maintenant. Wow. Si ça doit mal tourner, ça tournera mal. Ok, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Un peu claqué, mais plus mal. J'ai plus mal au crâne. Ça m'a l'air d'être sur le départ. Oh, le permis B+. Bah tant mieux, tant mieux. Ok. Ah mais attends, là la gravité elle s'inverse. Ça va pas être simple. Ça va pas être simple cette affaire. Là j'ai le vaisseau qui va tourner dans tous les sens, non? Si je tente ce move. Bon, faut pas que je trouve que je traîne. Parce que la planète au pire. Ah non, il n'y a pas d'histoire d'un. Merde. Ok, on est positionné tranquillement. Est-ce que... Là-bas ça va où? Ok, ça ressemble au chemin pour aller à l'observatoire sud, je dirais. C'est pas l'observatoire sud. L'observatoire sud, non, je pense que j'ai fait l'intégralité. Je pense que je vais rapprocher un peu le vaisseau. Hop. Bon bah voilà, je pense que j'ai bien fait de déplacer le vaisseau. Et j'en aurais peut-être besoin d'ailleurs pour monter. On va voir. Mais non! Quel con, putain! C'est pas possible! Oh, terrible! Terrible! Alors là, on m'a dit que...
J'ai bien fait de déplacer le vaisseau. On m'a dit que j'avais pas tout exploré par là. Alors je suis curieux, je vais voir s'il y a d'autres choses à voir, parce que on me dit qu'à l'observatoire du grand trou ou machin, j'ai pas tout fait. Ça typiquement j'ai pas fait. Ça permet de rentrer là. Si on regarde là, là. Pas l'air d'avoir grand chose à faire. Hein. Est-ce qu'il y a une autre entrée pour le... pour l'observatoire? Je ne sais pas. Il reste des trucs à explorer, mais quoi? Bon. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose. Ok, on regarde. Ça, c'est le truc qui vise ou pas? J'ai pas l'impression que ce soit le truc qui vise. Une espèce de lentille. J'ai pas l'impression que... Mais qu'est-ce que j'ai raté sur ce machin, là? Je ne sais pas. On va aller dedans, voir si j'ai raté un truc dedans. Dedans, il y a deux boules. J'avoue, il y a deux boules. J'ai jamais trop... À chaque fois, j'en bougeais qu'une seule. Peut-être qu'en bougeant les deux boules, il se passe quelque chose. Donc ça c'est pour l'ATP. Si on regarde là, ah, on peut peut-être aller dans deux sens différents. Donc là il me dit noir, mais peut-être que s'il peut me dire blanc. Lui tourne pas. Ah non, il n'y a pas deux boules, il y a deux endroits. Là il tourne, il va viser un truc je pense. Donc ça, ça tourne, et là c'est toujours noir. Ça me renvoie sur gravité, c'est presque sûr. Si je mets la boule à un autre endroit, est-ce qu'il tourne ailleurs? Viens là la boule. Là, ça continue de tourner. Je comprends pas. Il y a un truc à faire, mais je comprends pas. Il y a un truc à explorer, mais... Ah, je vois la fusée. On va rentrer dans l'alignement. Let's go. Un plaisir, ces petites météorites. Bon, là, le problème, c'est que je sais jamais trop comment bien retomber. Je pense que là j'ai perdu une vie comme un crétin. Attends, j'ai ma fusée, elle est 130 mètres en dessous. Oh, c'est pas si mal. Par contre, j'ai peur de me blesser. On va quand même tenter. Bah, j'ai peur d'aller dans la fusée. S'il y en a besoin, j'irai, mais... Secteur solaire, secteur de l'eau fonte, secteur de l'hôtel de l'œil, secteur de la forge du trou noir. Est-ce que c'est tout en haut? Je suis allé en bas. Si, je suis allé aussi. Je suis pas allé en haut. Je ne crois pas. Ouais, ça j'y suis déjà allé. Est-ce que j'ai tout fait? Commande la forge du trou noir. Oui, attends, c'est pour la montée. Ouais. Je vais la monter. Ah non, mais c'est pour la descendre. Non, c'est pour la monter. Oh, attends, faut peut-être passer au moment où elle passe. Ah, je suis trop lent. Non, je pense qu'en fait, il n'y a rien à faire en bas.
J'y suis allé là-bas? Je ne sais même pas. Oui, je pense que j'y suis allé. Ça, j'ai tout visité, il me semble, mais je ne suis sûr de rien. Là-bas, il y a un truc aussi. Je pense qu'il faut que je monte. On va essayer de monter. Ah, mais si je donne tout... Ah, mais attends, je peux juste marcher là, en fait. Ah, je suis con. Ok, ok, ok. Bon, là, c'est sûr que je n'y suis jamais allé. On va... Hop. On va à cet étage. Il n'y a rien à faire, là. On va marcher par là. Allez, on va allons découvrir de nouvelles choses. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose là-bas? Non, c'est nul. J'ai peur de tomber. J'ai déjà pris des dégâts. Il faut pas... Il y a un trou là. Oh! Oh oh! Cassava. Je suppose que je me suis encore montré dur avec Poké, et par conséquent, j'ai aussi compliqué les choses pour sa sœur, Clary. Avec Poké, je suis comme l'huile en présence de l'eau. Clary fait office d'émulsifiant. Grâce à elle, nous formons une bien meilleure équipe que si quelqu'un avait fait le mélange en l'agitant. Et pourtant. L'envie de secouer Poké ne moue pas. Putain, Poké, il prend tarif. Hein. Trêve de plaisanterie. J'imagine que c'est ma crainte de ne jamais trouver l'œil qui a causé ma dispute avec Poké. C'était plutôt immature de ma part. Je devrais faire amende honorable auprès de Clary du moins. Elle en fera ensuite part à Poké. Bon, Cassava qui a déconné visiblement. Et que me dit le Polo McFly? Si je peux te rassurer, t'es pas obligé de tout explorer pour comprendre les grandes lignes. Ok, ok. Mais des fois c'est important. Mais oui, je pense qu'il y a des trucs qui peuvent pas être présents partout quoi. Allez, on continue. On a découvert un petit truc. Ça permet de monter si t'es en bas. Est-ce qu'il y a des trucs en bas? J'ai l'impression qu'il n'y a rien. Petits arbres, ça nous régale. Oh, du texte. Oh, du texte partout. Soyez bienvenus en ces lieux. C'est total et... Oh non, pas le truc de l'œil là. Ils disent... Nous a conduit jusqu'à un système stellaire, le signal de l'œil. Nous avons repéré le signal de l'œil au cours de nos pérégrinations et l'avons suivi jusqu'ici pour en découvrir la source. Voici ce que nous savons. La source du signal que nous avons décidé d'appeler l'œil de l'univers est plus ancienne que l'univers lui-même. Mais j'ai déjà lu ça. Attends. Je suis quasi sûr d'avoir déjà lu ça. Ah bah non, le journal de bord se met à jour. Ok. Qu'est-ce que l'œil de l'univers? L'œil est plus ancien que l'univers, imaginons tout ce que nous pourrions apprendre grâce à lui. Il pourrait s'agir d'une bibliothèque cosmique. L'œil est la source du signal qui nous a conduit juste ici. Supposons que l'œil est un être plus avancé que nous. Et il répète 50 000 fois la même chose, c'est pas possible. Comment l'œil peut-il être plus ancien que l'univers lui-même? Supposons que c'est une relique d'un précédent univers. A l'origine, l'univers était incroyablement chaud et dense. Si quelque chose existait avant, elle aurait été détruite. Supposons que l'univers est plus ancien que ce que l'on pensait. Qu'est-ce que l'œil? Signal de l'œil. Supposons que l'œil tente de communiquer. Le signal est la voix de l'œil. Le langage qu'il emploie nous est encore inconnu. À moins que le signal ne soit qu'une tentative d'expression de la part de l'œil. Notez ceci, le signal nous a permis d'apprendre l'âge approximatif de l'œil, peut-être son absence d'âge. Le signal est un appel, nous était-il destiné? Ouais, très ésotérique tout ça, hein. Ça m'énerve ces bâtiments labyrinthiques où on sait jamais s'il y a des trucs intéressants ou pas. Oh, Solanum! Je ne crois plus, comme lorsque j'étais enfant sur la sablière rouge, que l'œil de l'univers nous veuille du mal. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il souhaite être trouvé. Il se pourrait que l'œil ne soit pas en mesure de souhaiter quoi que ce soit. Après tout, rien ne nous prouve qu'il en soit capable. Il est fort probable que les circonstances dramatiques de notre arrivée ici n'étaient rien d'autre que le fruit du hasard. Nous nous sommes imaginés que l'œil avait en quelque sorte choisi, mais j'ai le sentiment qu'il s'agissait là d'un vœu pieux. Il est possible que l'œil ait lancé un appel à toute espèce douée de conscience. À moins qu'il n'ait cherché à contacter personne, le fait que mes ancêtres aient entendu le signal de l'œil ne revêtirait alors aucune signification profonde. Je ne pense pas qu'il faille s'en lamenter, Solanum. T'avais exploré un autre temple de l'œil, et dans le lore, ça fait sens qu'il y en ait au moins deux. D'accord. Merci pour ces informations précieuses. Je ne tourne donc pas en rond. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai commencé le jeu. Oh! La fusée par là.
Ouais, j'ai déjà dû explorer ça. Par contre, ça. Ah, mais si, ça j'y étais. J'ai lu ça? Je crois que j'ai lu, mais. Est-ce que c'est l'endroit où j'étais tout à l'heure? Oui. Bon. Alors là, je suis dans l'hôtel de l'œil, mais moi, ce que je voudrais, c'est aller dans la. Ah! Dans la forge du trou noir. Ça, on est déjà exploré. Bon, on va dire que j'ai tout exploré là. On va essayer d'aller à l'étage au-dessus avant, avant le reset. Le great reset. Oh man. C'est cassé là? Qui a cassé? Il y a une deuxième tour. Tenter la deuxième tour. Je pense qu'il y a un move. Il y a un jetpack move, non? Wow. Ok. Ok, ok. Ah. Putain, mon truc se recharge super lentement. Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce qu'on peut réussir à se poser? Facile. Ok, je suis passé. Est-ce que notre vaisseau il peut prendre la... Ok, il s'est fait grave. Là, le problème, c'est que si je sors... Je suis pas sûr que ça va me choper. Faudrait que je fasse la roulade. Alors attends, c'est LB. L c'est left. C'est dur. Putain, je tourne la tête comme un débile. Mais Nick ! Aïe aïe aïe. Ah ouais, il y a un truc là à voir. Putain. Je suis en train de perdre du temps. Ok. Non, je n'y arrive pas. Bon, on va dire que là ça va marcher. J'espère que je vais pas me casser la gueule. Bon. Il se passe des sales histoires. Oh là là. Bon, c'était pas facile mais. Alors là, faut faire gaffe parce que si je fais ça. Ouais, c'est ça. Ok. C'est compliqué. Regagner la surface, hors de question. C'est quoi ça?
mène. Forge du trou noir. Ok. J'ai peur de m'envoler là. Surtout ça va être fin de run là, fais chier. Forge du trou noir, 30 mètres sur la gauche. Oh le bruit de force. Pourquoi réfléchir quand on a du skill? Attends mais c'est pas comme ça qu'il fallait y aller. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à... Oui, 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 là il y a de la projection. Mais où sont les pierres de projection? Fuck this. On n'a pas de pierre de projection. Mon ref, laisse-moi. Voilà. Ok, je suis dans la forge. Oh, il y a une statue. Ça, c'est pour descendre. Ok, il y a un pare-chaud. Ça, ça va être intéressant, je pense. Où dois-je amener le premier générateur du trou noir? Et où dois-je livrer les autres quand ils seront prêts? Les générateurs du trou blanc sont restés intégrés aux 6 récepteurs de distorsion. Chacun des 6 répéteurs est en cours de construction dans un endroit différent. Ça promet un joli casse-cervelle. Les plans des tours dans le laboratoire des hautes énergies de la Sabri Elvrouv révèlent l'emplacement de chaque récepteur. Parlons-en à Yaro, il les connaît. Ouais, mais j'ai pas réussi à y aller. Toutes les tours de distorsion sont en cours de construction sur la sablière noire. C'est donc là-bas qu'il faudra apporter les générateurs de trous noirs. Il y a des trous noirs et des trous blancs. Mes remerciements. Dans ce cas, Poké, Clary, je m'en vais effectuer la livraison. Je transmettrai vos amitiés à Yaro. Les trous noirs, c'est les émetteurs et les trous blancs, c'est les récepteurs, je pense. Poké, je serai bientôt de retour à la forge. Je vais attraper Root et l'aider à livrer le premier générateur sur la sablière noire pour m'assurer que Yaro le reçoive bien. Attends, j'ai pas trop bien lu, bien sûr. Ok, donc ils font des petites dingues. Ils livrent des trucs. J'étais pas très concentré sur ce que j'ai lu en vrai. J'ai un peu con. On fait ce qu'on peut avec les capacités cognitives dont la nature nous a fait cadeau. Notez ceci, Yaro pense avoir repéré un défaut dans les plans des tours à distorsion, à savoir que l'une des tours sur la tablière noire ne s'activerait pas car son récepteur de distorsion ne s'alignerait jamais avec le corps astral. Celui-ci se trouve au-dessus. J'ai incapable de lire. Ton cher étant croit que le point d'alignement d'une tour à distorsion est son récepteur. Ne sait-il pas qu'une tour à distorsion s'aligne toujours avec le centre du corps astral qui correspond? Ce raisonnement n'est pas sans fondement puisque le récepteur de distorsion doit effectivement être situé sur le corps astral en question ou en orbite proche. Je comprends pas ce que je lis. Si mes souvenirs sont bons, c'est comme ça que toi, tu comprends la technologie à distorsion. À l'origine, putain, je comprends pas. Si mes souvenirs sont bons, c'est comme ça que toi, tu comprends la technologie de distorsion à l'origine. Non, Yaro comprend la distinction. Il ne se rend probablement pas compte que les sablières sont si rapprochées qu'elles agissent comme un seul corps astral unique, partageant ainsi le même point d'alignement. Putain, mais ça c'est important et j'ai rien... J'ai pas le temps. Au sujet des tours à distorsion sur la sablière noire, est-il indispensable que chaque tour soit parfaitement aligné avec le centre du corps astral auquel elle était assignée? J'apprécie la précision autant que n'importe quel nomaille, mais si par exemple la base d'une tour venait à bouger, ne serait-ce qu'un peu, celle-ci pourrait ne plus s'aligner avec son corps astral. Pour être plus précis, j'apprécie la précision autant que n'importe quel nomaille, à condition qu'il ne s'agisse pas de Poké. Poké qui prend des bastos en permanence, quoi. Ce n'est pas grave si l'angle d'alignement n'est pas exact, du moment qu'il se situe dans une marge de 5 degrés par rapport au centre du corps astral. Notez ceci, nous bénéficions ainsi d'un créneau de distorsion légèrement supérieur. J'imagine qu'il durera environ quelques secondes. Ainsi, tout nomaille montant sur la plateforme de distorsion pendant ce créneau effectuera immédiatement une distorsion. Nous devons alors nous montrer plus prudents aux alentours de la plateforme pour éviter tout déplacement accidentel. Sablière noire. Toi, t'as rien à me dire. Que j'ai tout pris. On va aller poser ça. Est-ce qu'on va accéder de nouveaux dialogues? Je pense pas, parce que j'ai l'impression que toutes les pierres elles donnent la même chose. Bonne nouvelle, Yaro. Le générateur à dispersion a avancé et est prêt à être installé dans la salle centrale de la sablière noire. Me voilà intrigué, mon amour, tous ceux qui travaillent sur le projet Sablière Noire ont hâte de voir ça. Pas dans une joie hystérique, je suis sûr que j'ai déjà lu ça. Non, il n'est pas prêt. Tout se passe bien à la forge.
Je peux encore améliorer la résistance du générateur, il me faut plus de temps. Ne t'en fais pas mon amour Poké, simplement nerveuse. Le générateur était extraordinaire et le travail qu'elle a fait dessus relève du génie. Ne fais pas attention à elle, Yaro. Le générateur est fini et si ma sœur s'obstine à dire le contraire, c'est avec elle que je vais en finir. Ok, ils sont pas d'accord, il y a un générateur... Il y a un générateur qui est pas prêt. Bon et ça, c'est comme d'hab, ça va être les masques. En vrai, il y a pas mal de trucs que tu peux faire sans connaissance avec du skill ou de la chance, c'est la beauté du jeu. Bon, j'espère que j'ai tout exploré. On va voir si c'est un trou noir ou un trou blanc ici. J'ai peur d'utiliser le jetpack parce que... Parce que j'ai peur, tout simplement. C'est un trou blanc, là? Ah, bah d'accord. Donc si ça, c'est un trou blanc, ça veut dire que ça doit être par là qu'il faut arriver, normalement. Je suppose. Oh putain, c'est la fin. J'ai un truc à tester sur cette planète. On dégage. On dégage. Allez, on tombe. Les bros, laisse-moi. Laisse-moi partir. Qu'est-ce qui bloque? Je suis coincé encore là. Et oui, la lanterne. Et oui, elle se dépeuple. Allez là, putain. Ils veulent pas me laisser passer. Là, faut que je drop. Allez, drop. J'ai fait la boulette. Je me suis coincé. Mais non! Ah, je voulais aller tester quelque chose. Putain, je me suis bloqué comme un bolos. On a des trucs sympas à faire sur la lanterne. Bon, explosion de soleil. On va se laisser mourir tranquillou. Qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que décidément la sablière noire, faut que j'aille voir la sablière noire au niveau des tours. Ce qui est chiant c'est que c'est fin de run, j'ai pas très envie. Je suis coincé dans un arbre. C'est fin de run, du coup j'ai pas très envie d'y aller direct, et sur la sablière rouge j'ai pas grand chose à faire. Parce que je sais toujours pas comment aller dans la grotte secrète. Ni dans le laboratoire des hautes énergies. Thank you.